On my way to see my friends who lived a couple blocks away from me. As I walked through the subway, it must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said I could stir her name, 60 to number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Fabrice, ce mercredi, deux chevaux ont travaillé à toi sur l'hippodrome. Un mec déripré et très cool du coup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le chevaux était bien. Hein. Un mec a eu un abcès dans un pied, il n'a pas pu travailler pendant 8-10 jours. Donc on est venu là pour le préparer un peu. Il court le 6 septembre à Vincennes, puis l'été. Donc c'était bien qu'il fasse un bon travail aujourd'hui. Le cheval était bien, il a l'air d'être souple, pas de problème. Et puis très cool du cours, il a besoin. C'est un cheval qui n'a pas couru depuis début décembre, donc c'était bien aussi de lui faire un bon parcours aujourd'hui. Il avait besoin, on sentait que les derniers 200 mètres, il avait besoin un peu. Ça va y avoir fait du bien, il va être capable de faire une rentrée la semaine prochaine aussi dans le prix d'été. Donc voilà, les deux chevaux ont bien travaillé. Il n'y a plus qu'à courir maintenant. C'est quoi les ambitions? Avec un mec, évidemment, c'est la victoire, je suppose. Et avec très cool, c'est quoi? Là, très cool, c'est de le remettre dans le bain. Hein. C'est un cheval qui n'a pas couru depuis une dizaine de mois, donc voilà, il a besoin de recourir. Le cheval a l'air d'être bien et bien souple, donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à courir et de le remettre en progression en course. Et si ça reste comme ça, le cheval devrait faire un bon hiver. Quoi. Est-ce qu'il va être déjà compétitif pour une petite place dans le prix d'été? Non, je pense pas. Il avait besoin aujourd'hui. Hein. Il a monté vite, mais bon, il avait besoin. Les derniers 100 mètres, il avait besoin. Donc je pense qu'il va être capable de faire une rentrée propre, mais il ne va pas être capable d'être dans les 5 premiers, je pense pas. Un mec, quand on a un abcès dans un pied comme ça, évidemment, ça contrarie la préparation. On gère ça comment? On gère ça comment? On attend que... Déjà, il a mis longtemps à sortir. Il a été 3-4 jours avant que l'abcès sorte. Ça nous a embêtés un peu. Et puis après, pendant 3-4 jours, il avait du pus qui sortait. Donc on a été bloqué 8-10 jours sans pouvoir travailler. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a mieux. Mais bon, voilà, il est venu aujourd'hui. Ça va y avoir fait une bonne préparation. Mais bon. Toujours gênant avant des grandes courses d'avoir des problèmes comme ça, mais bon, il est sujet à toujours avoir des problèmes, donc on espère que jusqu'à samedi prochain, il n'y a rien qui cloche. Quoi.